Hey, what the fuck? Hey, c'est quoi ce jeu-là? What the fuck? Oh shit, y'a des tanks, bro. Y'a des avions dans le jeu. What the fuck? Y'a des bombes, bro. Oh, y'a des tanks, sa mère, bro. Y'a des hélicos. Bro, Battlefield 4, c'est un simulateur de guerre très très réaliste où est-ce qu'on incarne un soldat de l'armée américain qui doit sauver son pays après que les touristes ont envahi. C'est vraiment une histoire très émouvante. Donc là, on est dans la troisième mission du jeu qui se situe dans le Louvre. On doit dessiner une œuvre d'art. C'est vraiment incroyable ce jeu. J'y crois pas le réalisme immense que cela apporte. On se sent vraiment à la guerre. Franchement, c'est fascinant ce qu'ils ont réussi à faire. C'est vraiment... Ok, yo, on arrête le niaisage, bro. Déjà, ce jeu-là, bro, il coûte 20$. C'est 20 fucking dollars. Est-ce que tu sais comment c'était dur d'acheter ce jeu-là, bro? Moi, j'ai un plafond de crédit de 25 sous aussi. La banque, elle me prête pas 25 sous, bro. J'ai dû pouvoir le jeu pour aller négocier, bro. J'ai eu pas les Mike Air Jordans, bro. J'ai eu pas la veste Adidas, bro. J'ai eu pas le t-shirt Supreme Mimi, bro. Et finalement, bro, les gars, savent déjà, j'ai eu pas la sacoche Louis Vuitton, bro. Yo, il y a un fait très intéressant, les tanks ennemis sont tellement puissants qu'ils arrivent à faire lag votre ordinateur, je vous jure, c'est vraiment fou le réalisme dans ce jeu, genre les tanks sont tellement puissants qu'ils arrivent à faire lag votre ordinateur, c'est fou, c'est pas mon ordi, c'est le jeu. Oh, 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 attends, il y a un ennemi, attends, peut-être là. Wesh, vas-y, c'est quoi ce jeu de merde là? Wesh, ok, ben... Et je vous jure, je suis pas en train de vous tuer. Le jeu il a vraiment fui, hein. Je suis pas en train de vous mentir. Le jeu il a vraiment fui. Je suis tellement le mauvais. Le jeu il a arrêté de marcher. Qu'est-ce qui se passe? Mais yo, c'est quoi qui se passe? What the fuck? Ah, je suis mort. Yo, ça c'est une leçon pour vous. À la guerre, il faut toujours aider ses coéquipiers. Donc là, on a un tank, on va l'aider. Yo, fuck. Oh shit, y'a un gars. Oh, check ça, le quick scope. Oh, fuck. Ouh les gars, on vient de get notre premier kill. Ouh les gars. Bon, vous savez quoi, moi j'en ai vraiment marre de champ de bataille. Donc je me suis mis au fond de la map. Voilà, là on est bien, là je snipe. Je gagne mes petits kills, je suis au fond de la map. Y'a personne qui va me déranger. Là franchement on est bien, là y a pas, je vois pas, tu sais, comment on va se faire déranger. Moi je suis bien, tu sais, le champ de bataille c'est pas vraiment mon affaire, tu vois. Là tu vois y'a un tank là-bas, mais c'est pas grave, regarde ça. On va se mettre dans le buisson là, regarde ça, il va pas nous voir. Il va pas nous voir. Oh, est-ce qu'il nous a vu? Yo, c'est quoi ce jeu de merde, bro? C'est quoi ce jeu de fils de pute? Ouais, on a perdu la game en 5 minutes. On l'a perdu directement. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu, regarde ça. Là, on a lancé une nouvelle game, on va spawn. Regarde ça. Les lambres. Yo, on est là en train de se combattre, yo. Fucking gentil. Yo, au cas où vous savez pas, dans le jeu, il y a des armes cachées. Donc, des fois, vous pouvez trouver des armes spéciales. Donc là, on a une arme de type invisible qui tue les ennemis. C'est vraiment très puissant. Là, ici, j'ai une petite tactique, ok, comme vous les voyez dans le spawn comme ça. Donc voilà, ça, c'est une tactique très, très, très puissante. Elle est vraiment très efficace. Donc là, vraiment, vous allez avoir zéro ennemi qui vont sortir. C'est vraiment très bonne tactique. Ok, yo, là, les gars. Faut arrêter le niaisage, yo. Là, les gars, faut arrêter le niaisage. On sort la machine gun. Puis on va éclater les petites putes, ok. Là, je vais introduire mon boy dans le studio, ok. Il va nous lag un petit fichier, ok. You, moi, mon nom, c'est Negbif, tu connais. François Legault a dit, si on t'attrape dans la rue après 8 heures, on va te niquer. Neg a dit qu'il allait nous niquer. Pourtant, ce gars, sa sœur, il l'a bien enculé. Non, je blague, je veux pas être méchant. Nique ta mère et nique la société de consommation. Yo, fucking Jean vient d'interrompre le freestyle de mon boy, man, RIP!